il n'est pas trop mignon ce bout de chou ? Je la veux, 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 je la veux ! Et là, vous le pensez toujours ? Moi je sais danser, tu veux que je te montre ? Volontiers. Poupi, 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 pou. Oui, il est à la fois trop mignon, poupi, pou. Malin. Poupi, pou. Voire même ultra malin. Poupi, 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 pou. Tout en étant parfois un peu relou. Combien pèse ma tête ? 0. 0. On ne va pas se mentir, dans la famille de Malcolm, Dewey était clairement notre préféré. Oui ! À égalité avec Hal, le père totalement barré, incarné par l'excellent Bryan Cranston, capable aussi bien de ça... Dernier avertissement ! Le délit de fuite, c'est $80 d'amende en plus ! ...que de ça. Dites mon nom. T'es Heisenberg. Star de Breaking Bad, récemment nommé aux Oscars pour son rôle de Dalton Trumbo, Bryan est devenu un acteur reconnu. Many questions can be answered yes or no only by a moron or a slave. Eric Persullivan ne peut malheureusement guère en dire autant. Si les réseaux sociaux nous ont permis il y a quelques années d'avoir une vague idée de sa bouille aujourd'hui, sa carrière d'acteur se résumera à ce rôle culte. T'en as bu combien de soda ? Je sais rien ! Je sais rien ! Je sais rien ! Tu sais, je peux écrire sur ma langue ! Et à une voix off dans Nemo. Hey, what I do, what I do? Be nice. It's his first time at school. Ceci dit, les autres membres de la famille n'ont pas spécialement réussi à percer non plus. Frankie Muniz, alias Malcolm, est apparu dans Sharknado 3. Où vous êtes. Je vous conseille de ne pas bouger d'un millimètre. Jen Kazmarek, la mère, se contente de petites apparitions dans des séries. Vous nourrissez un certain ressentiment à son encontre. J'ai fait un gros travail sur moi-même, je vais mieux maintenant. Tant mieux pour vous. Tandis que les autres frères, Riz, Francis et Jamie, ont suivi le même destin que Dewey. Poupi, 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 pou. Ma mère dit que la télé rend stupide. Ah, et vous vous rappelez de Stevie ? Comment elle peut lui faire ça ? Il est en fauteuil roulant. Le voici aujourd'hui. Mais rassurez-vous, tout le monde va très bien selon Bryan Cranston et Hal rêve de reprendre la tête de la famille pour de nouveaux épisodes. Et oui, il est comme ça, Bryan. Il cartonne, mais il veut aider sa famille. Que maman s'en aille, c'était marrant au début, mais là, ça dégénère complètement. Et le groupe M6 se frotte déjà les mains à l'idée de pouvoir diffuser et rediffuser cette potentielle suite pendant 20 ans. C'est tellement agréable. Riz vit ailleurs, Malcolm s'est envolé pour Harvard. Je sais pas comment tu as fait, mais tout s'est déroulé exactement comme prévu. Mais qu'est-ce que t'as ? Poupi, 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 pou.